pour une nouvelle vidéo s'intitulant « Comment peindre un Ranger Nain le Seigneur des Anneaux ». Donc c'est notre tutoriel peinture numéro 11. Donc cette figurine est issue de la boîte des Rangers Nains qu'on vous a présenté en unboxing. Donc j'en ai déjà peint 11, donc ceci est mon 12e. Donc ma technique est bien rodée, donc je pense que la figurine en sera que plus belle. Donc c'est donc j'avais prévu de vous faire celle-ci en tuto car j'en avais surélevé 3. Donc j'ai fini les autres que j'ai surélevées. Et donc je vais vous faire celle-ci parce que je l'aime bien. Et qu'elle est sur un gouffre levant sa hache comme si elle allait frapper un ennemi. Donc les deux autres que j'ai surélevées, c'est celle-ci et celle-ci. Ça donne un résultat bien sympa. Donc pour cette figurine, la première étape, ce que je fais tout le temps. Après, l'ordre des étapes ne change pas trop après, mais pour celle-là, je pense que je conseille de peindre la cape en premier. Vu que c'est des rangers qui doivent un peu se dissimuler, surtout dans les montagnes. Eh bien, moi, j'ai peint la cape en un gris assez sombre, enfin, un des plus sombres de la gamme Citadel. Donc, le Mechanicus Standard Grey, donc c'est une couleur de base. Et donc, on va faire un aplat partout. Donc, derrière, bien sûr, c'est là où ça se voit le plus, il y a pas mal de relief. Sur le capuchon, quand ça revient devant, là. Aussi, vous voyez, je vais vous prendre un pinceau pour vous montrer, là. Entre les jambes, donc entre les jambes, là c'est tout noir donc ça va pas trop se voir. Entre les jambes, donc bien partout, surtout derrière, entre les jambes. N'oubliez pas qu'il y en a aussi pas mal sur les épaules et que ça peut venir des fois pas loin des cheveux. Donc je vais vous peindre tout ça et ce sera sûrement plus clair. J'ai peint toutes les parties mécaniques standard grey. Je m'excuse parce que la qualité devait pas être top dans la vidéo d'avant. J'avais mal cadré ma caméra donc. Excusez-moi, là vous voyez qu'entre les jambes, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez un petit peu de gris, mais bon, c'est un coup trop jour. Donc j'ai débordé, mais c'est pas grave hein, parce que j'ai rien peint, donc je réglerai ça plus tard. Et étape suivante, ça va être de faire. Après, donc comme je vous l'ai dit, à partir de maintenant, vous pouvez intervertir les étapes. Hein, parce que là, le tuto sert plus à donner les bases des couleurs et comment les dégrader que l'ordre. Parce qu'après, enfin, l'ordre des matières, quoi, ça importe pas. Quoi. Si vous faites le métal avant de faire ça, c'est comme vous voulez. Mais bien sûr, il faut faire les couches de base avant les lavis. Mais ça me semble évident. Donc moi, je vais faire la peau. J'avais un ou deux que je fais comme ça. Puis voilà, j'ai envie de faire ça. Peut-être que pour le prochain, enfin, peut-être que celui d'avant, je n'ai pas fait ça. Bon, bref. Donc, en Bagman Glow, hein, toujours. Pour mes nains, toujours Bagman Glow. Ils ont la peau un peu plus foncée que les humains et les elfes. Donc, Bagman Glow sur le visage et les mains. Maintenant, on va peindre donc les manches. Et cette tunique là, pas l'espèce de petite bande là, cette tunique juste là, au-dessus du pantalon là, en Caliban Green. Donc après, moi, mes rangers s'axent autour de deux couleurs, le Caliban Green et le XV88. Donc, après, moi je fais en XV je fais le pantalon, excusez-moi, et l'autre petite tunique comme les bandes et au-dessus des bandes. Et après, par contre, vous pouvez intervertir. Hein. Pour certains, j'ai interverti. Mais ça fait quelques-uns que je fais comme ça. Donc, le pantalon et les manches en Caliban Green. Non, pas le pantalon, excusez-moi, pas le pantalon. La tunique juste au-dessus du pantalon. Et juste en dessous des petites bandes qu'on va faire en XV88. Après plus tard. Avoir peint le pantalon... excuse-moi, j'y arrive pas. Les manches et la tunique en Caliban Green. On va passer, mais je répète que l'ordre des étapes, vous ne vous êtes pas obligé de les suivre. Hein, le tuto sert surtout à donner les bases des couleurs et après comment les dégrader. Hein, mais l'ordre des étapes, vous faites comme vous voulez. Moi, là, je vais faire les parties métal. Donc, le tranchant de la hache, excusez-moi, la boucle de la ceinture. Et au-dessus, il y a une petite attache en ferraille, juste au-dessus de la boucle de la ceinture. Une forme où il y a un rectangle avec un petit rectangle un peu plus petit posé dessus. Donc, c'est aussi de boucle, je pense. Donc, ça aussi en blécheur. Donc, bien sûr, les blécheurs, hein, la couleur métallique de base, j'ai oublié de le préciser. Maintenant, on va peindre la petite sacoche qu'on trouvait juste là et la lanière ici. Donc, qui la rattache, enfin, qui l'attache au bonhomme, quoi, enfin, la figurine. Donc, cette sacoche et la lanière, on va la peindre en style Légion Drap. Donc pourquoi style Légion Drap? Parce que je voulais pas faire une XV88 parce qu'on va pas mal l'utiliser après. Et donc pour que ce soit un petit peu plus sombre, ben j'ai pris cette couleur qui est légèrement plus sombre que le XV88. Donc là, j'ai pris cette couleur pour la sacoche. Maintenant, on va passer au cuir des bottes et aux manches de la hache en Rhinox Hide. Donc un brun foncé. On va mettre l'écriture. Bon, voilà, le pot est complètement tourné par rapport au pot.
Green Oxide, un brun assez foncé que je pense que vous connaissez pour le manche de la hache et le cuir des bottes. Maintenant, on va s'attaquer au reste, on y a la tunique de la figurine. Au reste des parties vêtements de la figurine, excusez-moi. Donc le pantalon, qu'on sera juste au-dessus des bottes. Les espèces de petites bandes rectangulaires de tissu. Et le sort de cuirasse qui se trouve juste au-dessus. Ainsi que ce que vous trouverez juste au-dessus des manches. Voilà. Tout ça en XG88. Donc je pense que ça peut vous faire beaucoup en XG88. Après, vous pouvez faire des trucs en vert en plus ou en moins. Je vous ai apporté quelques exemples pour vous fixer. Donc par exemple, pour lui, j'ai fait le plastron en vert. Mais sinon, j'ai fait un XG88 comme je vous ai dit. Donc la cuirasse en vert. Pareil pour celui-là. Donc j'ai fait comme je vous ai dit, hein. Mais le plastron vert. Mais par contre, lui, j'ai fait aussi le plastron en XG88. Donc ça fait peut-être une répétition d'XG88. Bon, je vais essayer pour celui-là en XG88. Excusez-moi, la caméra est totalement partie sur le côté. Donc je vais essayer en XG88 et peut-être si ça rend mal, on fera en vert. Bon, je pense que ça rendra pas trop mal. Voilà ce que ça rend après avoir parlé partie en XG88. Hein. Bon, après, peut-être que vous pouvez trouver que ça fait un peu trop XV. Enfin, un peu trop brun, un peu trop sauvin, voilà. Moi, ça me dérange pas plus que ça, donc je vais laisser comme ça. On arrive presque à la fin des parties, à la fin des couches de base de cette figurine. On va peindre maintenant la ceinture, donc la ceinture qu'on... Voilà, là, à droite, à gauche de la boucle, juste au-dessus des petites bandes de tissu rectangulaire, en montfang brown. Donc après, la boucle de la ceinture, je l'ai fait entièrement en métallique. Mais je pense que, pour plus respecter, enfin, je pense que les boucles des ceintures, il n'y a que le contour qui va être métallique. Enfin, je pense. Et la partie centrale, vous pouvez la faire en cuir. Bon, moi, je le fais comme ça. Hein. Après, c'est comme vous voulez. Donc, la ceinture en montfang brown. Après, on se fera la barbe. Et on pourra passer au lavis. Maintenant, on va s'occuper de la dernière étape, qui est la barbe. Donc, cette figurine n'en a pas beaucoup. J'ai essayé de vous rapprocher, mais je pense que ça va du coup perdre en netteté. Voilà, il a juste une petite moustache et une légère barbe. Certains ont en plus des cheveux. Donc, ça fait quelques temps que je vous fais des barbes brunes rousses. On va un petit peu changer. Je vais faire une couche de base en Starman Minfur. Et je la dégraderai pour faire une barbe un peu blanche. Car ça, on va dire qu'on va dire que c'est un ranger vétéran. Donc, il commence à être un peu vieux. Et sinon, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, il y a des rangers archers. Et donc là, vu que c'est pas un archer, je vais vous montrer comment je peins les arcs et les carquois de mes archers. Enfin, donc là, ne faites pas attention au reste, hein, c'est un ranger fini. Donc ça brille un peu, mais c'est à cause de la caméra. Donc le carquois, je le fais à une base d'XV. Les petites lanières en montfang brown. Les petites lanières en rhinoxide. Les flèches en XV aussi. Un brossage blanc. Le bois de l'arc en rhinoxide. Et le métallique en liblécheur. Donc je vous expliquerai après les lavis pour les archers. Donc voilà, c'est pas bien compliqué hein, pour les archers ce qu'il faut faire. Donc là, la barbe en Stormenmir Fur. Dit que la figurine n'avait pas beaucoup de moustache et de barbe, c'était bien le cas. Hein. Je n'ai trouvé que sa moustache. Donc ça y est, les couches de base sont terminées. On va pouvoir passer au lavis. Donc pour la peau, on va faire un lavis de Reclam Fleshade. Donc c'est voir le visage et les mains. Ensuite, pour les vêtements, en ce qui concerne les bottes et les parties en XV88 et style Légion Drab, donc les vêtements bruns, ainsi que la ceinture, on va faire l'avis de Seraphim Sepia. Donc, vous voyez, ça fait pas le temps que j'utilise pas mal le Seraphim Sepia, mais bon, j'ai acheté pour d'autres figurines la Galaxia Shade. Je m'en sers aussi un peu pour les nains, mais je continue à utiliser le Seraphim Sepia, et des fois, ce que je fais, c'est que... ce que je fais, c'est que je me sers de la Grax, des fois un peu comme Glacis, si j'ai trop. Si mes éclaircissements sont trop vifs, pour un petit peu les atténuer. Donc, ça, c'est deux premiers lavis, et après, donc Reclam Fleshade sur la peau, et ça filme ses pièces sur les vêtements bruns, et après, on s'occupera de la cape, de la moustache, des parties métalliques ainsi que du vert en 00. Mais ça, c'est après. Donc, on a passé le Seraphim Sepia et le Reclam. On va faire, comme je vous avais dit, le lavis de 00 sur toute la cape. Parce que c'est gris, donc le 00 convient parfaitement. Le métal, donc l'âche et les deux petites sangles là que vous voyez bien à l'écran. Et aussi le vert. On peut utiliser le Belton Green aussi, mais moi je ne l'utilise pas simplement déjà parce que je ne l'ai pas.
et que j'ai vu quelques réactions qui disaient que le ninol convenait, enfin quelques réactions sur une vidéo ou quoi, qui disaient que le ninol convenait tout aussi bien, et moi je suis très satisfait du résultat avec le ninol, donc j'utilise le ninol. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos avec le vert, ça n'a pas changé. Maintenant on va s'occuper de dégrader la cape qu'on vient de d'ombre en une oeil. Alors moi je fais 3 dégradés, donc au total du coup avec où je bosse ça fait 5 étapes. Je trouve ça pas mal, hein. Après il y en a qui peuvent faire plus. Donc le premier classement c'est un brossage, même si c'est pas très courant, en 5 mm fur, dans le sens de la largeur, comme ça rentre pas dans les creux. Puis un brossage en downstone. Ensuite je prends mon downstone et j'éclaircis toutes les parties hautes, donc toutes les arêtes comme ça. Car des fois le brossage n'est pas. Donc pour que ça accentue encore un petit peu le dégradé. Donc voilà là. Ah pardon. Genre là, ici j'éclaircirai sûrement. Donc je fais ça. Et après des fois si j'ai un peu trop poussé le brossage et que des fois tous les creux sont remplis, ça m'arrive de faire un glacis de nunol. Donc brossage sur une mufure, brossage downstone et éclaircissement sur les arêtes. En downstone et s'il y a besoin glacis de nunol. Glacis la cape, ça donne un effet bien sympa, bien contrasté. Vous voyez là que j'ai remis un petit peu de nunoil dans les creux. Moi je trouve que ça fait vraiment un aspect vraiment classe. Donc maintenant qu'on a déjà éclairci la cape, on passe aux éclaircissements de la peau, donc des mains et du visage, en Cadian Flesh Tone. Et si vous voulez en faire un deuxième, moi je le fais pas parce que je trouve qu'après avec Bunman Glow ça fait un peu bizarre, mais bon. Peut-être que si vous voulez encore plus clair, vous pouvez faire en Kiss la Flesh. Mais bon, moi je le fais pas parce que les nains, je pense qu'ils ont la peau un petit peu plus sombre, un petit peu moins rose que des hommes ou des elfes. Donc c'est pour ça que je fais qu'un seul éclaircissement. J'ai bien éclairci toutes les parties peau. J'ai fait ma petite technique de la goutte de Carlsberg Crimson dans les yeux pour simplement imiter l'aspect des yeux, l'aspect d'un peu de la pupille des paupières. Que j'ai déjà dû vous expliquer, mais bon, je vous la réexplique si je l'avais pas fait. Maintenant, on va éclaircir les parties vertes. Donc, la tunique qui se trouve. Ah, excusez-moi, c'est un petit peu galère. Qui se trouve juste. Je vais pas y arriver. Qui se trouve juste au-dessus du pantalon et les manches. Donc, les parties de tissu vertes. Donc, un premier éclaircissement en Wide Flesh. Et un deuxième en Lorraine Forest. Donc, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. Hein, si vous voulez faire un brossage à sec. En réo ou en lignage, enfin absolument comme vous voulez, au moment que vous éclaircissez. Moi je ne sais pas trop comment je vais le faire, je vais vous expliquer comment j'ai fait juste après. Maintenant on va éclaircir le métal donc avec de l'Iron Breaker. Donc la hache, attention la hache et de petites boucles métalliques. Maintenant qu'on a éclairci le métal, on va éclaircir les parties tissus de stylet jaune drap et de XZ88, donc la sacoche qu'on a peinte en stylet jaune drap. On va l'éclaircir en XZ88. Là, je pense que c'est un petit peu mieux. Et tout ce qui est en XZ88, on va l'éclaircir donc en XZ88 plus un petit peu de blanc. Donc là, j'ai pris du palais de Flesh, mais niveau Iscar ou du Ceramide Wise, c'est pareil. Donc on éclaircit ça et il ne restera. Donc on éclaircit toutes ces parties et il ne restera plus qu'à éclaircir les parties en Rhinoxide. Et la moustache. Proche de la fin de la figurine, il ne reste plus qu'à éclaircir légèrement les bottes et un peu le manche de la hache. Donc oui, avant j'utilisais pas mal de Rhinoxide plus du blanc pour éclaircir les parties en Rhinox, mais sur ces rangers j'utilise un peu de Mountain Brown. Ça fait quelques touches plus claires dans certains endroits sur les brosses, et je fais ça en brossage, et ça rend pas trop mal. Une fois qu'on aura fini ça, on peindra le rocher, puis le socle, et la figurine sera terminée. Après avoir éclairci, la figurine serait finie. Mais pas tout à fait, donc au passage j'ai mis un peu de sang sur l'arme. J'ai oublié, il fallait éclaircir donc la moustache, c'est une toute petite partie, hein. D'habitude les nains ont un peu plus de barbe. Donc on va un petit peu éclaircir sur les arêtes en downstone, vu qu'on avait fait une base de teint à une mesure. On fait ça et après on passe au refil la moustache, donc ça peut être très très flagrant à l'image. Peut-être je vous mettrai des photos, c'est pas sûr, à la fin pour un meilleur rendu, à part si j'arrive à obtenir quand même une bonne qualité en vidéo. Donc maintenant on va s'occuper du rocher, on va faire 3 brossages, le premier en Storm Vermin Fur, le second en Dawnstone et le dernier en Dawnstone mélangé à du blanc. Donc ici j'ai pris du Pale Blue Flesh, mais du White Scar ou du Ceramide White, c'est pareil. Donc on fait ces 3 brossages et après il ne reste plus que le socle.
On a peint le rocher du socle, maintenant on va peindre le socle. Là d'habitude je vous dis que juste comment j'ai fait, je fais pas carrément une étape, mais là parce que je fais toujours le même. Et donc là je vais changer, on va mettre du sable sur tout le socle, on va le peindre intégral, on va peindre ce sable non pas en Mondfang Brown mais cette fois-ci en Abaddon Black. Et après on va attendre bien que ça sèche parce qu'il faudra pas peindre avant que ce soit pas sec. Et après on va faire deux brossages, toujours dans le teint de gris, Stormy Minefur et Dawnstone. On va pas faire le brossage Dawnstone plus blanc comme on avait fait pour le rocher parce que ça suffit amplement pour avec le sable. Donc je fais ça et après la figurine sera complètement terminée. Et je vais aussi faire le cerclage à mon fin bras. Ah, votre figurine est terminée. Je vous l'ai mise avec ma troupe de 12 rangers au complet. Donc, ça donne un super effet. Donc j'ai mis un petit peu de mousse sur le rocher et un peu d'herbe sur le rocher et sur le socle. Donc là, vous voyez mes 12 rangers, 4 avec hachette de main, 4 cages de jet et 4 archers. J'en ai aussi surélevé deux autres, celui-ci et l'archer là. Donc je vais rien ajouter de plus pour cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout qu'il vous a servi. Donc voilà comment peindre des rangers nains rapidement et que ça donne un rendu super. Donc j'espère que vous avez aimé. On vous dit merci à vous tous et à la prochaine.